Après 3 jours de discussions intenses, l'atelier de réflexion sur le règlement du statut des joueurs et du tribunal arbitral s'est clôturé le 27 octobre. Organisé dans le but de réviser et clarifier les règles encadrant le statut des joueurs ainsi que le fonctionnement du tribunal arbitral, cet événement a rassemblé divers acteurs du monde sportif, notamment des juristes, des représentants de clubs et des membres de la fédération. Aujourd'hui, ce test-là vient combler ce vide pour dire si une joueuse est enceinte, elle va bénéficier d'un congé de maternité. Et pendant le congé de maternité, son club devra pouvoir assurer les 3/4 de son salaire. Donc ça, c'est une avancée importante. Deuxième avancée importante, au niveau donc des transferts des joueurs. Alors il est clair que le séminaire propose qu'au plan local, les transferts soient totalement gratuits. Parmi les grandes décisions prises, l'un des points majeurs abordés concerne l'instauration d'un cadre juridique mieux structuré pour le tribunal arbitral afin de renforcer son rôle dans la résolution des conflits et sa capacité de statuer de manière impartiale et rapide. Cet atelier marque un tournant dans la régulation du statut des joueurs et la mise en place de mécanismes de médiation et d'arbitrage plus efficaces. La prochaine étape sera la mise en œuvre des résolutions prises et la validation des propositions par les instances compétentes.